Dixième épisode déjà. Merci de nous suivre. Ouais, pour célébrer le tout, le 10e épisode, j'ai mis du Baileys dans mon café. Yeah, fait que ben bon matin à vous aussi. Puis vraiment nice épisode. On a reçu Véronique Isabelle Filion comme juge invitée. Elle a été excellente. J'adore son rire. Vraiment. C'est allez aussi sur son podcast Paul Mouillé avec Jessica Chartrand. Vraiment. Puis pour ceux qui nous suivez pas sur Patreon, abonnez-vous. Pour vrai, il y a des exclusivités, il y a des photos de moi en chest. C'est Charles qui a imposé ça, puis faut vivre avec, mais c'est là-dessus. Puis plein d'épisodes, plein d'exclusivités, des lives, fait que allez voir ça. Bon épisode. Et on va accueillir la prochaine juge invitée pour la deuxième partie du show, Véronique Isabelle Filion! Ah non, là! T'es-tu stressée, la belle Véro? Salut! Non! J'ai gagné un roast! Ouais, on vient d'aller faire un roast battle au casino, puis elle a gagné par pitié, là. Non. Non, j'étais bonne. Non, ils ont dit que t'avais un rire drôle. T'es-tu saoule? Non. OK. Non. Non. T'es-tu prête? Oui. Ouais? Ouais, j'ai hâte, je suis contente. Nice, t'as-tu des petits conseils aux humoristes? Non, soyez bons. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'hommes. J'ai hâte de juger les hommes. Yeah, c'est mais il y a un duo de filles à un moment donné. Oui, ça, je suis excitée. Mais... Fait qu'il y a beaucoup de pression. Ça aurait été bizarre que moi je dise « Ouais, je suis excitée moi aussi. » On va commencer ça. Je te laisse présenter parce que je sais plus c'est qui le prochain. Ah, ben, j'aime ça que tu vives le malaise, tu essaies de te rappeler du nom. Oui, vas-y. Ben, je peux aller voir la feuille. Ah, OK, je vais le présenter. Mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Jérémy Frappier! Allô! Allô! Très content d'être là. Cette semaine, c'était ma fête! Oui! Yeah, j'ai eu 18 ans, et c'est exactement la journée où... Et je me suis dit dans ma tête, hey, on est comme bientôt 8 milliards sur la planète. Puis j'ai comme réalisé que c'est comme beaucoup, tu sais, c'est comme 8 fois 1000 millions. Ça, c'est juste sa planète. Imagine en Europe. OK, mettons, à quel point c'est beaucoup 8 milliards, là. Mettons, on me donne 1$ à chaque humain que sa planète. Pour vrai, je pencherais riche. OK, mettons. On attend. On prend les 8 milliards d'humains pour les mettre tous à la même place, genre dans un petit pot de cornichons. Ça fermera pas. Ce que je veux dire, c'est que n'importe quoi qui sera à 8 milliards, c'est un problème, là. Imagine faire 8 milliards de blagues sur le nombre 8 milliards. Attache-toi à 4 pis on est tous tannés. 8 milliards, c'est beaucoup. Bon. Maintenant que ça s'est compris, on peut-tu m'expliquer pourquoi personne est venu à ma fête? C'est parce combien qu'il faut être sur la planète pour qu'on soit 6 à ma fête? 8 milliards d'humains, il n'y en a aucun qui était là. Les pandas, il en reste 12, il y en a 2 qui sont venus. Qui ont passé la soirée à jouer au limbo avec mon babou! c'était pas une fête comme les autres, là. C'était une fête cool avec une thématique. Hein? Le plaisir. On était tous censés avoir du plaisir, hein? Mais finalement, tout le monde qui était là n'a pas eu. Aucun plaisir que j'ai eu. Aucun. Parce que c'est clair que c'est pas tout le monde qui avait une bonne raison pour pas venir, là. Je veux dire, mes parents, je comprends, il faisait beau, ils sont partis faire un tour à l'île aux coudes. OK. Mon meilleur ami, c'est correct. On s'est jamais vraiment bien entendu. Mais vous, le peuple, genre, vous étiez où? C'est comme vous, monsieur, vous avez l'air super gentil. Puis vous êtes pas venu? Trou de cul. Non, pour elle, j'aurais pu vous payer, puis ça aurait rien changé. Je sais, le magicien a choqué. À cause de vous, ma fête, c'était pas un party, c'était plate. La seule chose qui m'a fait penser à un party, c'est que j'ai ramassé un dégât.
Ouais, j'ai vomi parce que j'étais plus capable de pleurer. C'est juste que c'était une journée importante pour moi, là. J'ai eu 18 ans. Vous avez manqué la journée où j'ai passé de chenille à faire mes impôts. Sauf que là, ma fête revient dans 352 dodos. Hein? Je sais, j'ai compté. Puis vous êtes tous invités. Fait que ça vous tente-tu? Cool. On pourrait-tu juste barrer les portes, s'il te plaît? Ça va être ça. C'est juste que... On va attendre. Bonne fête, Jérémy! Bonne fête, Jérémy! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête, Jérémy! Je te félicite pour ton numéro, mais t'es aussi le premier TikToker que j'apprécie. Oui! Je vais enlever mon chapeau pour toi. Non, good job, man! Bravo! Merci. C'est le fun. Un jeune de 18 ans qui vient pas essayer de nous parler de sa réalité de 18 ans, mais qui fait des jokes. Parce que sa réalité de 18 ans, on s'en calisse, là. C'est un appartement, ben oui! Ouais. Mais bravo, c'est cool. J'ai pas encore assez d'expérience en 18 ans pour avoir un number là-dessus. Peut-être la semaine prochaine. Ben, super sympathique, vraiment le fun. Beau trip. J'ai rien d'autre à dire. C'était bon. C'est quand ta fête pour vrai? C'est le 12 août. C'est un mensonge. Je le savais parce que tu m'as dit que c'était ton show de l'école. Là. Ouais. Mais c'est ça. 12 août? T'as menti? Ouais. C'est parce que j'ai fait le show le 15 août la première fois, puis ça a resté. OK. Ah. Super. Non, mais c'était super bon. Je t'ai rencontré la semaine passée, j'avais hâte de te voir. Je suis contente, j'aurais pas à me déplacer. Non, c'est super bon. Au début, t'as dit, Anthony, de pas te gagner sur les deux premiers gags de milliards, parce que tu t'allais faire une joke plus tard de comme... Ça, fais pas ça. OK, plus jamais. Non, mais t'as commencé avec deux mauvais gags pour faire le gag de « J'ai fait 4 jokes de 8 milliards, on a tout eu assez. » Fait que c'est un gros gamble, tout le monde a pu débarquer dès le début. Ouais. Mais honnêtement, t'avais une belle proposition pour un gars de 18 ans. Ben là, vu que t'as 18 ans depuis un an, tu dois pas avoir eu 1 million de shows dans le corps. OK, j'ai 19 ans. Tabarnak! Je suis fâché. L'humour, c'est du mensonge. Je suis fâché. Vraiment fâché. J'allais te donner un spot à l'open mic, puis tu viens de m'enlever le goût. Tu viens à l'open mic quand tu veux, je vais rentrer dans plus longtemps. Ben ouais, quand il veut, genre tout le temps. Une fois? OK. Combien de fois je peux? Une fois. Une fois. OK. Une fois. T'as-tu un autre numéro, tu sais? Non, j'ai rien d'autre. Il y a juste personne qui vient à ma fête. Mais tout le monde, Jérémy Frappier, bel job! Bravo! Le mot d'ordre, là, ça va vraiment être complicité. Je suis l'enfant fantôme, le blagueur enfant fantôme. Quelle différence, non. Une fois, un gars, oui, il voulait rentrer dans la police et il est rentré dans le mur parce que la police fantôme. Je vais vous faire des imitations doubles. C'est un mouvement qui imite deux choses en même temps. Le premier, c'est un plongeur qui débute. Pis un gymnaste qui termine. Merci, merci. Le deuxième, c'est un singe qui traverse une rivière, pis un otage qui est libéré dans une prise d'otage. Okay? Attention, pourquoi est-ce qu'on dit que le dioxygène, il a autant des chums que des blondes? C'est parce qu'il est O2.
Non, attendez une minute. Parlant de blonde, OK? Combien ça prend de blonde pour changer une ampoule? Je sais pas, j'ai plus de blonde. Il me reste comme 4 jours pour vider l'appart. Imitation double, c'est un génie et un bretzel. Imitation double, c'est un chasseur dans un dessin animé. Un dessin animé chasseur, puis un danseur de flamenco. Hey, j'ai vu une télésérie. J'ai vu une télésérie, ça s'appelle Love Out of the Spectrum. C'est des gens qui utilisent leur capacité sociale pour se manipuler puis trouver l'amour. C'est effrayant. J'ai aussi vu une télésérie sur Vivaldi. Ils vont la faire en 4 saisons, tabarnouche. Les chaussettes, c'est quoi l'affaire avec les chaussettes? Il en manque toujours une. Sûrement parce que l'autre est pleine de dèches dans le sac de McDovid qui me sert de poubelle. Je suis triste. Imitation double. C'est la vengeance et le gazpacho. Je vais vous faire un lutteur des années 70, puis à absolument tous les hypnotistes. J'ai mal à la tête. T'as eu les moments qui m'ont fait le plus rire de la soirée, puis les moments qui m'ont fait le moins rire de la soirée dans le même numéro, puis j'ai adoré ça. J'ai l'impression que je regardais une compilation de Vine. J'ai tellement été confuse. Quoi? C'est parce que mon nouveau beau-père, il se fâche quand son café est pas dans la bonne tasse. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Fais une imitation double, c'est ce que j'aimais plus. Hein? Je suis confuse. T'es confuse? T'es-tu moi? Qu'est-ce qui se passe? Tabarnak! T'as fumé tellement de weed, je suis gelé, man! Non, mais mon ancien demi-frère, il a déjà fumé du pot. Je te jure. Vous le connaissez? C'est un esti de menteur, c'est peut-être pas vrai. Je t'avais vu une fois, t'étais venu avant Noël. C'était pas bon, là c'était bon, t'as écouté les conseils, bravo, man. C'était vraiment fort. Puis je serais curieux de. Genre, j'ai mal à la tête en 3 minutes. C'est quoi le plus long que t'as fait sur une scène? 7-8, genre. Ouais. Tu revenais à l'open mic? Ouais, ça me ferait plaisir. Yes, man, sérieusement, t'étais vraiment. Ben oui! Imitation double, c'est vraiment meilleur qu'occupation double. Fuck. Allez, silence dans l'audience! J'ai un marteau pour faire silence dans l'audience. On a un gang. Shit! Okay, tout le monde, là, faut quand même arrêter de parler parce qu'on va avoir un autre humoriste puis c'est lui qu'il faut écouter. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Philippe Saint-Pierre! Salut tout le monde, ça va bien? Yeah! Yes! Hey, moi aussi, ça va super bien. Je suis très content d'être ici à soir parce que la dernière fois que je suis embarqué sur scène,
comment je dirais bien ça, me suis planté bien raide. Puis écoute, je vous épargne les détails, j'ai broyé dans le parking toute la soirée, fait que vous me direz comment ça s'est terminé, je vais vous attendre dans le stationnement derrière, OK? Moi, c'est Philippe, puis écoutez, on me dit tout le temps que je ressemble à mes parents, hein? Mais j'ai compris, j'ai le front à mon père, puis les seins à ma mère, hein? On choisit pas. Je ressemble pas à tout le monde dans ma famille, par contre. J'ai une sœur plus jeune, puis elle, on m'a jamais dit que j'y ressemblais. On m'a dit des affaires comme « Oh, d'après moi, t'as été fait au crayon à mine parce que t'es clairement le brouillon! » Ou c'est ça, c'est pas mal rien que ça qu'on me dit pour ma sœur, mais maintenant... Mais maintenant, par exemple, je mets mon pied à terre et je le dis aux intimidateurs, hein. Je te rappelle, OK, papa? Parce que là... À un moment donné, là... moi, je suis incapable de m'engager dans une relation de couple. Je suis incapable de m'investir là-dedans. Fait que moi, c'est fini le dating. Hein? J'ai plus de gars, plus de filles, plus de chiens, plus de chats. Moi, c'est terminé. Maintenant, c'est seulement les femmes plus vieilles. Ouais! Bravo! Ça, c'est Christ que c'est malade. Moi, j'ai compris que c'était fait pour moi, les femmes plus vieilles, quand on m'a dit... tu sais que t'aurais pu sortir de mon vagin, mais qu'à soir, tu vas rentrer dedans, mon cochon? True story, en plus. Puis j'ai dit, hein, oh, je suis déjà dedans. Je vous ai dit, on choisit pas, hein, on fait ce qu'on peut avec son nom. Puis, tu sais, après ça, écoute, je vous épargne les détails, mais c'est devenu ultra cochon, notre relation, ça avait aucun de bon sens. Puis, moi, il n'y a rien qui m'excite plus que d'imaginer qu'elle est obligée de mettre ses lunettes pour lire mes sextos. Oh! Calice que la presbytie, c'est bandant, man! Qu'est-ce que j'aime ça? Ah, c'est-tu que c'est malade? Mais, tu sais, il n'y a pas que des avantages, il n'y a pas que des choses positives non plus, on va se le dire. C'est sûr que... quand tu brises la glace, quand tu as ta première date avec elle, faut que tu prennes en compte le fait qu'il y a une différence d'âge. Il y a un malaise qui se crée, fait que c'est pas compliqué. Moi, maintenant, je fais juste, je fonce, j'y vais mollo, puis j'y vais avec un peu de patience, fait que j'y dis. Salut, moi ça va être, moi c'est Philippe, puis ça va être moi ta date ce soir. Philippe Saint-Pierre! Philippe! Hey! Peux-tu finir la gage? Oh oui, vas-y. Je vais dire, moi, c'est Philippe. Philippe! Moi, c'est Philippe! Ah, il aurait pas fallu que tu le finisses, finalement. non, mais le pire, c'est, ça allait quand même bien, les ouais. Deux premières minutes, mais on comptait, là, on a notre timer. Le dernier gag, 45 secondes avant le punch. Dans un set de 10 minutes, peut-être, quand t'as 3 minutes, c'est risqué. Okay. T'as tenté le risque, ouais. Tu t'es planté, puis c'est pas grave. Ouais, ça arrive. Mais je vais vous attendre dans le stationnement. Tu vas pleurer, c'est ça? Ouais, je vais pleurer, ben oh non! je voulais rire. Je voulais. T'es full sympathie. J'ai pas ri. Mais j'ai d'autres belles qualités, hein. Je suis crissement ponctuel. Mais je suis vraiment contente. Elle est plus jeune que toi, man. Ouais, excusez. C'est pas de la grosse. Non, mais je trouve ça fun parce que je me suis trouvé une pick-up line. Je vais pouvoir dire ça au gars plus jeune. Mais oui, ça marche. J'essayais de trouver des avantages à ton numéro. Okay. Ouch. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je cite pour ça, me faire rincer. C'est quoi ton background, Philippe? En humour, c'est ça? Ouais. J'ai commencé en 2019, j'ai arrêté pendant un an et demi. Ouais, là, ça fait... J'ai une vingtaine de shows dans le corps. OK, fait que tu commences quand même. Ouais. Petit conseil, souvent, quand tu finis tes punchs, on dirait que tu l'assumes pas, tu regardes tout de suite ailleurs. C'est comme si tu sauvais de la réaction. Fait que petit détail pour que assume plus tes jokes. Ouais, parfait. J'avais le même sujet que toi quand je suis sorti de l'école en 2014, là, un numéro sur les MILF, puis ça vieillit mal. Contrairement aux MILF, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, ils vieillissent, hein. Non, mais. Puis aussi, tu t'as dit souvent, je vous épargne les détails, puis tu donnais plein de détails, fait que c'est pas ça. Mais pour vrai, c'est bon, t'as le timing, je pense. Mais... Oui, mais j'ai noté, il y a deux, trois gags que tu faisais. C'était peut-être avec le sujet, ça, c'est, tu punches un peu comme Julien Lacroix punchait des fois. Ouch! Ben,
en humour dans la vie, je sais pas comment tu parles, mais... Okay. Mais tu t'as fait comme papa. Ok, ouais, ouais, je comprends. Un peu la musicalité. On a faire attention parlé. Avec ça. Okay. Voilà. Avec Julien Lacroix en général ou avec ça? Avec les gars! Ça aussi, ça vieillit mal. Hein? Finalement. Mais pour vrai, merci de t'être prêté au jeu. Continue, man. Yes. Continue à faire des shows. Continue à faire des shows. Écris le maximum. Filme-toi. Tu vas comprendre une couple de petits tics que t'as sur scène. T'aider à semer des gags. D'où t'as une vingtaine de shows dans le corps. T'es un bébé encore. Je te souhaite plein de milfs puis de sports. Au début, t'avais beaucoup de E. Puis à la fin, t'en avais plus. Fait que très cool. T'as appris. C'est stressant au début. Ça paraissait. Puis tu t'es placé à un moment donné. Super. Fait que. T'as l'air d'un gars qui s'entraînait avant. C'est pas faux. Mais venant de Charles, on a la même chaîne. Je me vois à toi, là. Même sujet, même corps. Philippe Saint-Pierre, okay, bravo! Bravo! Bravo. Ceux qui disent la phrase blablabla, as-tu que je dis ça, mais je dis rien? Mais dis rien! Pis ferme ta gueule! Je m'appelle Yann, j'ai 2 enfants et je paye 140 livres. Je le sais, je les ai faites mes recherches, hein? La seule place où j'ai un poids santé, c'est en Éthiopie. Non, j'ai tellement pas de gras que si Marie-Pierre Morin me mord la cuisse, elle se casse une dent. Bon, ceux qui ont ri, vous êtes tous des mincophobes. Le bordel est rempli de mincophobie, cette. Ah, moi, le jour, je suis superviseur dans un entrepôt. Puis ce que j'aime le plus de mon travail, c'est quand un nouveau vient me voir. Puis il me demande s'il peut aller aux toilettes, puis que je dis non. Tu restes là, puis tu te retiens. Maintenant, je suis le maître de ta vessie. Ah, pis t'es bien mieux de m'amener des M&M. Pis moi, c'est des M&M bleus que je veux. Pis si t'oses pas rentrer un vendredi, ben je t'avertis, tu vas dîner tout seul, dans la cafétéria, juste après que j'ai fait réchauffer mon plat de bine au saumon. Non, le vendredi... Yann La Rochelle! L'avantage, c'est que t'as dit qu'il y a de quoi que t'aimais à ta job. Au moins, tu vas continuer à aimer ça là-bas. OK. Moi, je t'ai trouvé très bon dans le film Moïse Rock Terrio. Je sais pas si tu joues ou non en ce moment. J'ai peur! Tu vas le savoir tantôt. Chris, va aller rejoindre Philippe dans le parking. C'est quoi ton background de scène à date? C'est mon deuxième show. OK. Oh! Tabarnak! OK, mais là... Mon Dieu, mais t'es courageux! Non, mais... Courageux! Non, non, mais de venir faire ça, un deuxième show... Le gang show, deuxième show. Oui, oui, c'était ça. C'était pas... C'était où la place que t'as joué avant? Au Right Rabbit à Repentigny la semaine passée. OK. OK, bravo! Je pense qu'il faut que tu sois conscient de ton casting. Tu sais, t'as l'air méchant. Puis. ton regard me fait sincèrement peur. Oui. Mais. Correct, c'est le but. Faut que tu te serves de ça pour que le texte arrive à que. Faut que ton personnage de scène fit avec tes textes. Là, il y avait des affaires comme tu t'allais dans tous les sens. Je sais pas ce que tu voulais dégager, mais j'avais vraiment juste peur. Réinvite-moi dans un open mic, puis tu vas le savoir au complet. Ooh. Ah, j'avais pas envie de voir plus, là. Ah, OK. Non, mais t'as un casting vraiment intéressant, comme Charles l'a dit, puis pour vrai, si tu trouves, à force de gagner de l'expérience sur scène, tu vas pouvoir en tirer profit encore plus.
Puis, mais pour t'avoir parlé avant le show, je sais que t'es pas fucking space. Space, mais pas fucking space. Fait que. non, continue à faire des shows. C'était. Mais c'était space. C'était space. T'as-tu un casier judiciaire? Oui? C'est-tu vrai? Oui, oui, c'est vrai. C'est filmé. Un. Tu sais? Ah! Oui? OK. Je peux pas sortir du pays. C'est-tu vrai? C'est vrai, oui, c'est vrai. OK, mais parle-en, c'est drôle. Ben là, si vous m'auriez laissé le temps. Oh, ah, OK. Non, mais qu'est-ce que t'as fait? Oh. Alcool au volant. Ah, OK. Juste ça. Ah. Là, y a personne qui boit ici. Ouais, attendez, il y avait 3 enfants dans le coffre, là. Mais oui, ton casting est riche, puis je vois, tu sais, ça, oui. C'est un bon conseil. Oui, c'est ça, tu peux me roaster, vas-y. Non, okay. C'est pas bon. Tu prends tes conseils, là. C'est un bon conseil. Non, mais oui, continue. Parfait. Okay. Laisse pas ce gang t'affecter. Non. Oh, oui. Non. Oh, oui. OK. Alors, mais tu fais ce moment-là. Y'a de la Rochelle, tout le monde! Y'a de la Rochelle! J'suis-tu tout seul qui s'est un peu pissé dessus? Non. Okay, il me faisait vraiment peur. Moi aussi, j'ai peur. Est-ce que vous aviez peur, vous autres? Non. OK, c'est super. Okay. Là, c'est ton moment à toi. Tu veux-tu les présenter? Oui. Oui, ben oui. Fais présenter les filles par la fille, d'accord? Oh, tu vois le punch! Mais oui, c'est les filles avec qui j'ai beaucoup de... J'y connais pas. Fait que j'ai hâte d'y connaître. Oui. Je dis juste le nom? C'est la plus longue présentation. Mais je sais! OK. Juste le nom. OK, le c'est nom. Les... Oui, OK. Accueillez les petites baies! Bonsoir. J'ai aimé la présentation, ça c'est plus relax, tu sais. La barre est moins haute. Bon, hey, salut tout le monde. J'espère que ça va bien. Fait que bon, vous avez compris là, les petites baies, c'est parce que Gabrielle, Barrette, Jade, Boutier. Ouais. Bay pour bitch. Ouais. Mais tiens, bitch, c'est une façon subtile de dire qu'on a des personnalités de cul. T'sais, on n'allait pas arriver en disant « Salut, moi c'est Jade, j'ai des problèmes de colère et je pense beaucoup trop à moi. »« Hey, moi c'est Gab, je cherche constamment l'attention puis je suis en thérapie depuis que j'ai 8 ans. » Enchantée. Non, mais sans blague, on est vraiment contents d'être ici ce soir. Là. C'est un petit rêve qui se réalise. Là. C'est celui d'être des artistes. Hein? Là, vous devez vous dire, voyons que leur but dans la vie, c'est d'être pauvre. Fast food, herpès, alléchant. Leur santé bien malaise. Après avoir insulté l'art et la culture. Mais... Ben imaginez que c'est la mère de votre chum qui pense ça, puis qui vous le fait comprendre en fixant un regard de « Toi, tu restes loin de céréales, ma tabarnak! » Ouais, Mané, ça m'a fait ça. J'étais allée au vétérinaire quand j'étais jeune. Puis là, elle me regarde et elle est comme « Ouais, là, être comédienne, là, ma cocotte, ça marchera pas. Là. C'est un AB, ça. » Ça te fait en morale, mais ça utilise le mot AB. Chris. J'espère que tu te poses des questions sur ma situation financière quand ta job à toi, c'est de vendre des sacs de bouffe à chat plus chers que mon rein, Chris. Hey, 75$ d'épicerie par semaine, d'épicerie féline, est-ce-tu? Faut arrêter de dénigrer l'humour, là, tu sais. À un moment donné, il me semble que le monde irait mieux si tout le monde avait un sens de la répartie. Moi, par exemple, j'utilise l'humour pour me sortir de situations de marde. Quand on me pose une question que je veux pas répondre, je fais une blague. Donc, chaque fois que mon chum me demande « Pis, bé, t'as-tu aimé ça en soir? » Je suis comme « Pète, pis répète. Hein? » Sinon, moi, à force d'avoir des baisses de marde, ma chatte est morte. J'ai dû contacter une compagnie de salon funéraire pour annoncer son décès. Mais la petite, là, elle me fait des surprises. Des fois, elle ressuscite. Quand je vois des beaux gars, ça miaule. Elle se prend pour Jésus, là, comme il y a clairement quelqu'un dans la première rangée qui fait de l'effet parce que ça ronronne. Non, mais tu sais, regarde, on va en parler, là. On va être dans les confidences à soir, là.
Depuis que j'ai une vie sexuelle active, j'ai compris pourquoi il y avait le mot « gars » dans « orgasme », parce que ça arrive rien qu'à eux, hein? Hey, Chris de bon mot valet, ça! Mais tu sais... c'est réussi, vous avez fait le compte neuf! Restez. Ouais. Moi, je serais gagné avant, mais elle m'aurait traité de macho. Ah! C'était ça que tu faisais, tu me tentais? Ouais, je voulais que tu gagnes parce que je voulais pas que tu fasses ça. Ah, oh, mais non, pourquoi? Je t'aurais pas traité de macho. Et... Ça, ben, en fait, c'est que j'ai l'impression que c'est une version Baby Spice des Grandes Crues. Ah! Oh, wow! Mais on n'a jamais été connus pour notre sens de l'originalité, là. Vous avez jamais été connus. En effet, on peut pas dire le contraire. C'est la première fois qu'elle est méchante et elle est surprise. Ça fait combien de shows que vous faites, les filles? J'ai pas entendu. Ça fait combien de spectacles que vous faites? Une coupe, pas mal. Ben là, on peut dire que ça fait depuis qu'on... Je sais pas. Depuis qu'on a des dents, là, qu'on fait ça. Attends, mais vous avez quel âge, tabarnak? Vous parlez comme si vous avez 50 ans de métier. Mais... Non, mais... Des dents, c'était hier. On a 19 ans, mais okay. Mettons, on a fait de l'animation bingo quand on était genre secondaire, mais là, depuis récemment, on fait plus stand-up. Est-ce que vous parliez de votre vagin au secondaire? Non. C'est vraiment récent. En fait, c'est Pascal Cameron qui nous a dit de parler plus de vagin, fait qu'on a pris fait... Oh, mon Dieu! Mais faut pas écouter Pascal! Hey, cette phrase-là va être prise et extrait à tout chaud! Pascal Cameron m'a dit de parler plus de mon vagin! Oh, my God! Oh, non, c'est dans aussi... un contexte de spectacle. Oui, c'est ça. Oui. Même dans un contexte de spectacle, c'est un gars de 38 ans qui disait des filles de 19 parler de votre vagin. Votre show, parce que je vais me sentir mal, là. Il va être fâché contre moi. Non, mais c'est notre ami. C'était elle. Non, mais pour vrai, vous avez une solide drive. Vous avez une bonne dynamique. Ça paraît que vous avez rodé, vous avez fait. Vous avez sûrement fait genre secondaire en spectacle, puis cégep en spectacle. Ça paraît, pour vrai, l'expérience. C'était déroutant à certains moments. c'est que ça paraît que vous avez 19 physiquement, puis c'est correct. J'ai l'air jeune aussi, c'est pas grave, mais je suis plus. Oh, ouais, pédale, entoure la pédale! Là. Vas-y! Oh, ouais, fait... Hey, vas-y, le chat. Tu sais, je parle moins de leur vagin, c'est ça? Ben, Je vais parler de ma chatte. Non, mais si juste, c'est un show de 10 minutes qu'on dansait en 3. Fait qu'on a pris les gags qui punchent plus pour en Mais ça punchait, ça punchait. Mais j'étais dérouté dans le. En même temps, non, c'est correct. Oui. Je pense que c'est déroutant. Je t'ai juste trouvé ça impressionnant. Mais les filles, je pense que c'est déroutant parce qu'on le voit pas souvent. Mais les vagins? Non, c'est. Mais moi, j'en vois pas souvent. Mais. Le mien. OK. Mais non, mais je pense que c'est déroutant parce qu'on voit pas souvent, mais je trouve que c'est cool que vous l'ayez fait puis que vous l'ayez assumé. Vraiment, c'était super assumé, puis ça, c'était cool, mais c'était. C'est ça. Bravo pour vrai. Non, mais c'est vrai. Je t'ai sauvé, tu l'as ramené, puis t'as continué à bafouiller là-dessus. Là. Oui. OK. C'est vrai que tu m'as sauvé. Merci, Véro. Oui. Moi, je vous encourage à continuer, puis vraiment. Je vous ai trouvé super bonne. Bravo. Bravo! Attends là, je vais tout détruire ça. Ouais, hey, j'ai pas donné des commentaires! Charles, il a pas fini! Ouais, est-ce que vous avez assez de faire du solo? Pas vraiment. Moi, oui. En secondaire 2. Ça c'était compte pas, plaisant. Là. Mais genre, hier... Les blagues étaient aussi grosses que ses seins dans c'est ce C'est ça. Je suis pas à l'aise. Mais c'est quoi? Ils ont pas 14 ans, ils ont 19, ils savent ce qu'ils font. Puis si tu regardes mes seins aujourd'hui... C'est comme... Laisse faire. OK. Fallait-tu que je regarde... Comment, mettons, être allié en ce moment, là? Comment je peux... Fallait-tu que je regarde si... On est des gobelins hétéros, on ferme nos gueules. C'est ça! C'est ça qu'il faut faire. Je pense que c'est... Fermer nos gueules. C'est ça qui est déroutant. Là, je suis dans une situation de pouvoir, de jeu. Mais s'ils sont à l'aise
d'en parler. Tu les laisses en parler. Je les ai laissés, je les ai pas cognés. Fait que vous étiez juste dans la peur, les gars. Oui. Bon. Mais bravo. C'est quoi que tu voulais... Ben, il a pas dit ses commentaires, mais sinon, ouais, je peux faire ma gueule, c'est pas mon choix. Ouais. Mais... OK. Mais t'es bonne, ramène-les à l'ordre, les hommes. J'ai l'impression que les... Ça manque de discussion entre vous deux si vous êtes un duo. J'ai l'impression que chacun avait ses petites jokes, mais il y a pas tant de vous deux ensemble qui... Je pense qu'il y aurait quelque chose dans les textes à plus comme jumeler une prémisse, l'autre punch. J'ai l'impression que tout le monde, tu faisais setup, prémisse, punch, toi, setup, prémisse, punch. T'sais, s'amuser à jaser là-dedans pour que ça explique plus la raison d'être du duo. Puis votre nom est vraiment laid. Mais ouais, Hey, mais je trouve ça original comme proposition, je trouve ça le fun. C'est le fun qu'il y a de quoi différent qui est proposé. Je trouve ça cool que vous essayez d'embarquer dans ce milieu-là. Puis bravo, je changerais juste de nom, c'est tout. Mais j'ai un vrai... Là, je suis comme sorti de ma déroute, OK? Ça paraît pas! Je sais ce que je veux dire. Vous avez commencé, puis j'étais accroché, pour vrai. Deux filles, vous avez l'air jeune, vous êtes jeune, vous rentrez... Fait 8 fois, tu le dis, attends, ça! Attends! Il y a quelque chose, ça s'en vient! Et vos premières phrases, pour des filles de 19 ans qui se connaissent, qui font « Ouais, j'ai un problème de colère, blablabla », vous vous connaissez psychologiquement et votre maturité là-dessus. J'étais comme « OK, je t'accrocher. » Puis finalement, là, de tomber dans les gags plus de vagin, c'est correct d'avoir des gags de vagin, mais ce serait cool. J'aurais aimé ça que ça aille plus loin là-dedans. Dans le... Plus loin dans le vagin? Okay. Non. On a déjà un show là-dessus. Plus loin dans votre introspection, puis dans vous connaissez. J'ai trouvé ça intéressant. Plus de PTSD, moins d'hymen? Ouais. Parlez-nous de vos traumas. Mais moi, j'ai aimé ça que vous parliez de vos chattes. Okay. Puis j'aime pas ça dans la vie, les chats. Mais non, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais je pense que c'est allé même mal à l'aise, mais je pense qu'il y a de la place pour ça. Oui, totalement. Justement, vous... C'est bon. Est-ce que vous voulez faire l'open mic bientôt au bordel? On a envoyé notre nom, mais on attend. Là. Sarah, je parle à Mélissa pour faire le signe dans les prochaines semaines. Vous allez passer rapidement. Bravo! Bravo! Les bravo, hein? Félicitations. Dans le fond, ils savaient que le nom était lettre. Ah, peut-être que les petites B, c'est une joke de soutien-gorge. J'ai l'air pas de dire ça, hein? Moi, je trouve ça drôle. OK. Allez, en reste juste un, tout le monde, c'est presque l'énergie! Un tonnerre d'applaudissements pour Cédric Marchand! Merci. Je le sais, ce que vous vous dites. Ce gars-là n'a pas l'air d'un humoriste. Ce gars-là a de l'air méchant. Je veux que vous le sachiez, les juges. J'ai pas juste l'air. Je m'appelle Cédric. La plupart du monde m'appelle Céd, sauf mon frère. Monsieur est devenu avocat? Il m'appelle son client. Moi, quand je dis au monde que j'arrive de Bordeaux, personne ne me demande si je suis allé faire la route des vins. J'ai 3 minutes. Arrêtez. Quand je parle du concept humoristique, une ligne, un punch, on m'imagine ça à poudre en train de frapper quelqu'un. Moi, j'ai eu de la difficulté quand j'ai commencé en humour parce que je m'inspirais beaucoup des Denis Drolet. Je me reconnaissais dans le personnage de Denis Barbu. Sauf que moi, quand je suis sur une scène puis je regarde le monde, je fais « Hey, m'a tué! » Le monde ne rit pas. Il me croit. Toujours eu de la difficulté à gérer ma colère et mon agressivité, surtout quand je conduis. Fait que j'ai décidé d'écrire un petit jingle pour expliquer aux gens la mentalité que j'ai au volant et ça sonne comme ça. Tu m'as coupé sans mettre ton clignotant. J'ai même pas fait la joke. Ça sonne comme ça. Tu m'as coupé sans mettre ton clignotant. Ben ça se pourrait que je te rentre dedans.
Tu m'as coupé, t'as pas mis ton flasheur, mais ça se pourrait que tu meurs. À base, je suis une bonne personne. Le monde me teste, le monde veut que je me fâche. L'autre fois, il y a un gars qui m'a traité de narcissique. Ça, c'est pas me connaître. Une personne narcissique, c'est une personne imbue d'elle-même. Imbue de moi-même. Je sais même pas patiner. Comment tu veux que je compte un but, man? Ah, j'adore. Hey, je l'adore, ce gag-là. Ben, t'étais-tu seul? Oh, ouais! Oh, wow! Le reste, c'était vraiment bon. Non, non, mais c'est, ah, c'est le jeu de mots qui t'a tué. Hein. Ouais. Ah, oh, ouais. Ah, j'adore j'aime. Les jeux de mots. Ben, écoute, je peux-tu expliquer... En tout cas, ben non, c'est correct. Vas-y, vas-y, vas-y. Ben, imbu de moi-même. Puis là, parce qu'après ça, c'est, ça continue. Je dis, j'ai essayé de jouer au hockey quand j'étais jeune. Mais on a vite compris que c'était une très mauvaise idée. Me mettre deux couteaux d'un pied, un bâton d'un main et le titre d'attaquant. C'est là que ça allait. Puis après ça, j'avais un autre quelques bons gags. Sur le fait que t'as l'air d'un tueur, là, comme depuis le début. Là. Oh, ouais. Ouais. Moi, je vais t'attendre dans le parking en esti pour vrai. Ouais. T'auras beau m'offrir une place sur l'open mic, mon chum. Je marche pas d'intimidation. Moi, mais... bon, oui. T'as combien d'années de scène que t'as versus combien d'années de prison? C'est filmé. Mais si vous avez des commentaires, vous autres? Mais pour vrai, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait bientôt 4 ans. Wow, OK. Cool. Mais t'es solide, pour vrai. Je t'avais déjà vu, puis c'est fucking bon. Là, on t'a gagné sur un jeu de mots okay. moyen. Mais t'aurais pu continuer si c'était pas ce jeu de mots-là. Pour vrai, c'est malade comment t'es conscient de ton casting puis comment tu l'utilises à fond puis ton jingle. Ah, ça me fait chier parce que j'avais tellement de bons stocks pour finir le number, mais c'est correct, je fais partie de la game. Mais... Il te restait 30 secondes. Ouais. Ah, oh, incroyable. Hey, c'est-tu que vous riez ben trop de 3 minutes, gang? Non, merci, ben, perso, merci public, vous avez été vraiment, vraiment cool. Ouais, sérieusement, applaudissements public. Non, mais pour vrai, vu que je suis... Merci. Vu que je suis le dernier, j'aimerais une main d'applaudissement pour les juges. Pour vrai. T'sais, non, mais pour vrai. Charles Deschamps, un ancien athlète de BMX, devenu humoriste. Puis Chris, ça marche, man. Ouais. Moi, je t'imagine sur un vélo, je trouve ça drôle en tabarnak. Tu m'as gagné, tu sais. Non, pour vrai, Anthony Rimiard, mesdames et messieurs, Anthony Rimiard. Anto, merci. Ah, merci. Cette semaine, mes enfants me demandaient ce qu'était devenu Dora l'exploratrice. Oh, t'as la même coupe de cheveux! Hey, non, mais. Un homme trans maintenant, Dora? Ok, excusez. T'avais-tu une joke sur Véro ou t'as comme travaillé sur ces deux jokes-là? Non, c'est Chris, tu ris mal. Non, j'ai rien à dire. Ok. Ah, là, je sais, c'est 3 minutes pour que je parte, mais je te l'ai dit l'autre fois, j'ai vu ton doorman. Pas lui qui va sortir. J'avoue que tu connais une volade de doorman. Oui. T'as-tu des projets à plugger? Parce qu'honnêtement, t'es drôle. Non, honnêtement, suivez-moi sur les réseaux Cédric Bergeron Humo. J'ai commencé à faire des TikTok, je trouve ça cool. Un peu grâce à toi, en fait, j'ai vu que tu renais ce TikTok. Moi, j'ai fait... Moi? Ah, pas toi. Parce qu'on sait pas qui tu regardes, mais c'est à cause de l'éclairage. Qui? Oui. Qui? Je m'en dis, c'est que des seins, vous êtes bon pour regarder Charles. Ah, c'est sûr que t'as du temps à t'entraîner en dedans, là. Mais t'as vu mes TikToks, ça t'a inspiré? Ouais, mais j'ai vu que t'avais bien des views. Je connais pas TikTok, je déteste les réseaux sociaux, j'ai quasiment 41 ans le mois prochain. Et non, c'est ça. Puis sinon, c'est ça, je fais. Je suis à Rive-Nord. Fait que s'il y a du monde de la Rive-Nord, des fois, je fais show qui s'appelle Mes Otages Comedy Show. La 4e édition vient de passer. Mes Otages Comedy Show? J'ai peur! C'est des. Écoute, en juin, j'ai l'humour en juin, c'est comme. Je touche du bois, c'est le plus beau mois. Je pense que j'ai comme 14 shows en juin. C'est la première fois que j'ai autant de shows. Fait que non, je roule ma bosse, je fais mes shows. Je fais ça en fin de semaine, moi, à peu près 14 shows.
Tu vas dire qu'il y a des singes, j'ai le droit de t'attaquiner, là. Ah, t'as le droit, t'as le droit. T'sais, le gars pas connu du bordel, fait 8 ans, je mets de l'humour, je fais des shows quand je veux. Tu me dis que je suis pas connu, je suis pas connu comparé à Louis-José. Toi, t'es pas connu comparé à moi. Hey, Chris. OK. Ici. Ouais. Viens à Bordeaux voir. Ouais, là-bas, t'es plus connu. Non, Charles, tu viens à Bordeaux, tu t'appelles. Non, c'est bien beau. Okay. Hey, on arrête ça là, mesdames, messieurs. Cédric Bergeron! Oh mon Dieu, que de malaise. T'es quoi 34 qui joue des filles de 19? Hey, ça va pas bien, là. Tu vas te canceller? Ben, je pense pas. OK. Mais ouais, c'était notre position de juge de 30 ans. De, c'est ça, là. Sinon... J'ai comme eu moins peur du prisonnier afin que je le conseille. Solide épisode. Merci de nous suivre. On se revoit la semaine prochaine. Sinon, on est à Comédia le 12 août. On est au bordel tous les mercredis. Merci d'embarquer dans ce triplet avec nous autres. C'était notre 10e épisode. Merci!